It's been so long, I didn't see you on mine. You change a lot, you look a different guy. I can't stop thinking about you since last night. Salut les amis! Bienvenue sur Fry HD. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette caisse? Jaguar type. Oh là 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 là, ça commence bien cette vidéo. Et ben ça tombe bien parce que c'est une vidéo vlog aujourd'hui. On va se balader avec les copains et on va passer par des endroits superbes. Du coup je vous emmène avec moi et puis on va en profiter pendant toute la balade pour se faire un petit point. Puisque regardez, on est à plus de 7000 abonnés. Allez, générique. Un 949, incroyable. Ouais, pas mal cette petite Porsche là, dis donc. Ah, c'est beau. Hello. Qu'est-ce qui est crado? Oh la vache! T'en as autant sur le casque? Une moto, ça c'est une moto qui roule. Exactement! Ouais. Ça, on dit on roule, mais oui, on lave. Moi, le truc de groupe là pour rouler en groupe, elle sait pas si elle doit. À gauche ou pas à gauche, j'ai peur de rentrer dans quelqu'un ou qu'on prend derrière. D'accord. Dans les virages, c'est toujours. En ligne normalement. Ouais. Comme ça tu prends ton virage comme il faut, tu vois, tu te mets bien à l'extérieur quand c'est un gauche. Parti. Un petit tour de rond-point pour la forme. Allez, on est parti pour une petite balade. On commence par la zone industrielle magnifique de Jouer les Tours. Non, non, je vous appelle passage, là on va se retrouver un peu plus loin parce que c'est moche ici. Alors, rapide présentation de l'équipe d'aujourd'hui. On a Véro qui est tout devant, que vous connaissez déjà, et je vous remets la vidéo à droite, là-haut. On a Marie, j'en ai parlé, avec son 883 qui est toute jeune. Elle est superbe sa moto, je vous la filme tout à l'heure. On a Jancé avec son Sportster S. Robin avec son standard, le même que le mien. Et juste derrière ici, dans le rétro, on a l'ours avec son 103 de la police. Oh, il n'y a pas à dire, hein. Le standard il est beau quand même. Hein.
arrive à Crissé-sur-Mans. C'est un petit village magnifique. Hein ? Qu'on avait été voir avec. C'était haut, ouais, ça doit être un peu plus haut. C'est là-haut. Il faut qu'on aille là-haut. Ouais. On aurait dû filer, je pense. Mais c'est pas grave, on va y arriver là. Ah. Eh ben oui, hein. 317 kilos. Quand tu vois Panzou, là on est dans le fief là. C'est ici qu'il y a du pinard. Ça doit être calme. C'est la ville des roses. C'est où exactement ? C'est à côté de Cornouville. Ah, super. Super beau. Oh, t'as vu là ? Ah oui, j'avais pas vu. Ah, si t'as payé. Apiculteur, justement, pour ça. C'est un agriculteur heureux. C'est nul. Si j'ai rigolé, c'est que c'est pas si nul. On vient de faire une blague nulle. Quoi ? Un apiculteur, c'est quoi ? C'est un agriculteur heureux. Elle est bonne. Fin du 15e. Le logis érigé à la fin du 15e. Mais ça va un peu réorienter un peu les pierres, mais sinon ça va. J'adore. Petit dirt bike là, le mec qui s'éclate. Je crois que je vais virer ça, moi je vais mettre mon gilet, hein. J'ai pris mon gilet. Là. Ouais, ouais. Et je recompte pour être sûr qu'on est au complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Allez. Attends! Batterie? Hein? C'est la batterie, hein? Oh oui! Ça, c'est la batterie, hein? Là-bas, 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 là-bas. Tu crois? Je vais essayer de te pousser.
Tu vas pas la démarrer comme ça, hein. S'il démarre comme ça... Ah ouais, il pourra pas, hein. Va falloir qu'on le pousse, là. Eh oui, ça sert. Faut qu'on te pousse, tu vas pas la démarrer comme ça. C'est bon, super. Ah, il y a toujours de l'aventure quand on fait un run. Eh, l'ours à droite. C'est la batterie, je pense, ouais. Et il a pu redémarrer dans la descente là-bas. Parce que je l'ai poussé, mais impossible. Ah merde. Salut les gars. Tu restes derrière ? Ouais. Vas-y. Vas-y Robin. Allez, c'est reparti. Un groupe de motards qui s'est intercalé entre nous. Du coup, on se retrouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 motos. Donc là, on est à Panzou, là dans un coin où on va commencer à avoir beaucoup, beaucoup de vignes parce qu'il y a pas mal de viticulteurs là. Panzou, Cravant-les-Coteaux, Chinon, c'est des noms qui chantent dans le verre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, passe. Vas-y, 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 Robin.
Est-ce que c'est judicieux de la couper? Hein? C'est judicieux de la couper ou pas? Non. Non, bah non. Puis le problème, c'est qu'il n'y a pas de descente là. Et sur la deuxième pente, c'était mort. Ah bah oui, c'est clair. Tu vois. Attention, attention. Allez, bon, au revoir. Ah non, c'est la béquille qui. Pss, qui glisse. Si, elle a bougé. Elle a bougé? On rentre tous ensemble, tu vas pas rentrer tout seul. Hein. Mais non. Je prends le plus court, je prends par à des rideaux de droit. Non, mais il vaut peut-être mieux qu'on rentre tous ensemble si des fois il se passe le moindre truc, tu vois. C'est un problème, j'appelle même l'assurance. Hein. Oui, oui, c'est sûr, mais bon. C'est les gars de tout à l'heure, ça. Ouais. T'as fait un machin dans le nez. Ah ouais. Attends. C'est bon. Mais quel gamin. C'est comme ça qu'il nique sa batterie. Oh, c'est beau. Le château de Chinon. Et on n'est plus que 4 du coup, puisque Marie qui retourne sur ce mur. Et l'ours qui a son souci de batterie, qui a pas osé s'arrêter tout à l'heure. Parce que là, la seule pente elle est ici. Et on n'était pas vraiment dans le bon sens là, pour redémarrer la moto. On passe juste derrière le château de Chinon là. Il est là. On voit les remparts là. C'est quand même sympa de rouler en groupe comme ça, franchement. C'est pas la même chose que quand on roule seul ou à deux. Là, le fait de rouler avec d'autres motards, des motos différentes, ça oblige une certaine discipline quand même. Et puis c'est un balai, quoi. On essaie de tous garder notre position. Et là, on voit d'ailleurs qu'il y a une moto qui me suit, là. Et le gars, il reste calé derrière nous, il s'est mis de son côté, et voilà, quoi, il suit. Il y a une espèce de code universel à rouler en groupe. D'ailleurs, on l'apprend quand on passe le permis. C'est vraiment aussi ce qui nous lie, tout ça. Voilà, on est quand même début octobre et il fait quand même encore 28-29 degrés. Ce qui fait que je roule en t-shirt aujourd'hui parce qu'il fait très chaud. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui me disent que je suis pas un vrai motard parce que je roule en t-shirt. S'il m'arrive quoi que ce soit, ça sera pour ma gueule et pour personne d'autre. Quelque part, je me dis que c'est encore un espace de liberté qu'on a. Je prends cet espace de liberté qu'on me laisse encore. On en a plus beaucoup, donc faut les prendre, quoi. Et puis merde, j'ai trop chaud. Salut mec. Alors ce qui est marrant, c'est que voilà, là je viens de doubler la moto derrière. Et il essaie de recoller pour revenir dans le groupe. Ça, c'est l'instinct. On a envie de rouler ensemble, quoi. Ouais, il y a un petit côté marrant aussi à prendre ces grandes lignes droites là. On se croirait presque aux États-Unis là, du coup. Et on peut se caler bien confortablement dans la selle. On avance un peu les pieds et on roule. Je pourrais même caler mes pieds sur les crash bars. It's been so long I didn't see you on my... You change a lot, you look a different guy. I can't stop thinking about you since last night. Do you feel the same, feel the same, feel the same, feel the same? Imagine if we did it right. Yeah, I feel like we could be so tight. We can
we were kids, baby, the time.